qualifié comment cette victoire de... un peu heureuse? Écoutez, quand on regarde surtout notre première mi-temps, on est peut-être que satisfait. Parce qu'on le doit aussi en partie à Denis Petrich, qui nous a sorti un match de derrière les favos. On a fait une première mi-temps palichonne. On savait que cette équipe avait de la qualité, on savait aussi qu'elle était amputée d'excellents éléments, mais on savait aussi qu'elle pouvait être dangereuse à tout moment, ce qu'elle a démontré. Maintenant, c'est vrai que parfois le sport est cruel. On l'a souvent payé l'année dernière pour le savoir. Je ne vais pas m'excuser parce qu'on n'a pas à s'excuser, mais il est évident qu'on doit encore faire mieux, mais le fait d'engranger des points doit nous permettre justement d'emmagasiner un petit peu plus de confiance. Sur le but, vous êtes bien placé, il y a une petite position de rejou ou pas sur... Sincèrement, je ne pense pas. Après, vous savez, ça va tellement vite que je pense que la fois d'après, il n'y est pas, et quand il est signalé. Mais là, sur l'action, c'est vrai que je suis bien placé, mais je ne pense pas qu'il le soit. Après, vous savez, on peut toujours discuter des différentes décisions, des cartons, pas des cartons. Moi, je pense que là aussi, on a payé l'année dernière pour apprendre. Donc, on fait confiance au corps arbitral. Et puis on est surtout content de repartir avec 3 points parce qu'ils vont nous faire du bien. Les 3 points, vous avez été assez peu dangereux sur l'ensemble du match. On était un petit peu plus, je dirais, audacieux en deuxième mi-temps parce qu'il y avait un petit peu plus d'espace. J'avais réorganisé un petit peu l'équipe. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, mon interrogation, elle est là. Trouver un meilleur équilibre sur le plan offensif parce qu'effectivement, on ne met pas trop l'adversaire en difficulté. Même si on joue bien, on arrive toujours à avoir ce problème dans les 30 derniers mètres où il faut qu'on mette un petit peu plus de culot, un petit peu plus d'audace, une prise de risque un peu plus importante qui va justement nous permettre de mettre en difficulté un petit peu plus souvent l'adversaire. Mais il est évident aussi qu'avec 8 points, c'est de bon augure pour nous redonner un petit peu de confiance. J'ai un groupe qui est jeune, qui est renouvelé tous les ans. Notre championnat, on sait contre qui on va le faire. Il était important de ne pas perdre ce soir. Il y a un match très important aussi contre Niort la semaine prochaine. C'est là que se joue notre championnat, nous, avec 7, 8, 9 équipes. Je ne parle pas des cadors, on les laisse tranquilles, on fera les comptes à la fin. Mais en ce qui nous concerne, c'est ça. C'est même quand on n'est pas bon ou moins bon, c'est d'arriver à faire du positif. Vous